Là, je cherche juste la vidéo pour voir si je suis en ligne. Et la vidéo va commencer bientôt, bientôt. Ah, ça fonctionne. Je suis en direct. Oh! Colofab est là. Coucou, Colofab! Donc, je ne l'ai pas dit à personne, ma belle Colofab. Ça se peut que nous soyons toutes seules ensemble. Donc, je répète l'introduction. Ah, je viens d'avoir la notification que je suis en direct. On va peut-être avoir d'autres copines. Ça va très bien. Donc, ici, je vous montre la vidéo. Donc, le direct va être une suite du DIY. Comment faire la base de crayons de couleur avec les crayons Crayola. Je viens de vous faire également cette vidéo-là, avis et test sur les crayons de couleur, sur la base de couleur, tout simplement. Donc, et oui, coucou et bonjour à toutes et à tous. Colofab est là, Chantal désormais là, donc je suis super contente. Ça va être un petit direct intime parce que je n'ai pas publié à nulle part. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Bon, ben oui. Hein? Des semaines où je suis fatiguée. Moi, l'été, c'est une grosse période pour moi. Donc, je suis super fatiguée. Mais par contre, je m'ennuie de vous autres. Donc, j'avais hâte de vous voir, de vous parler. Donc, j'ai participé au live de co ma copine Colorphila. Oui! Bon, là, la recette, les amis, la recette. C'est ce que je veux vous parler, évidemment. Ça a été une vidéo extrêmement populaire, cette vidéo-ci. Si vous ne l'avez pas vue, évidemment, je vous invite à aller la voir. Donc, moi, la recette, ce n'est pas fait avec des pastels à l'huile, mais c'est fait tout simplement avec des crayons Crayola qui ne coûtent rien. 1,94 la boîte au Walmart. C'est fait avec de l'huile de coco. Ça sent bon. C'est le fun au toucher. Regardez-moi ça, là. Oh! C'est crémeux, ça sent bon, c'est le fun d'avoir les doigts dans le produit. On n'est pas obligé de prendre nos doigts, hein? Il y a plein d'autres stratégies de toute façon. Donc là, la madame est toute excitée. La madame étant moi-même. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai fait ce petit marque-page-là avec la base de couleur. En vidéo, je viens de vous tourner comment faire l'application sur celui-ci. Donc, la vidéo va paraître lundi. J'ai fait celui-là. Imaginez-vous donc la base de couleur s'efface avec des effaces manuelles. Regardez-moi ça. Je n'ai pas utilisé d'efface électrique parce qu'elle était loin dans mes choses. J'ai fait celle-là aussi. Ah! Bon, mais pas que. J'ai fait celui-ci aussi. Ah, en France, vous êtes en canicule, nous aussi, il fait chaud la vie. Donc ici, là, ça, c'est un début, hein? J'ai fait vraiment le fond complet et j'ai pris les polychromos pour faire la suite de ma petite Yeti d'amour que j'adore. Regardez-moi le derrière de page. Il n'y a rien. L'huile ne passe pas au travers. C'est vraiment, là, pour moi, un game changer. Est-ce qu'on se comprend quand on dit un game changer? Ça va changer ma vie en coloriage parce que c'est super agréable à utiliser. Donc, j'ai acheté d'autres produits ici. Donc, des petites boîtes de 24 de couleur standard. J'ai acheté les petites boîtes ici, Colors of Kindness. Donc, celle-ci-là. Deux boîtes parce que mes contenants sont assez gros pour mettre deux crayons dans ma recette. Donc, c'est ce que je vais faire évidemment pour les prochaines recettes. J'ai ma vieille boîte de 120 ici que je vais tellement utiliser pour faire les couleurs. Et comme je veux mettre deux crayons par recette, ben, j'ai acheté la boîte de 96 au Walmart. La boîte de 120 n'était pas disponible. Il n'y en avait pas. Tasse tes gros doigts, coquine. Donc, voilà, 96 crayons, ça coûte rien, les amis. Oh, mais c'est tellement agréable. Donc, évidemment, moi,
je vous invite à l'essayer tout simplement. Un crayon de couleur, de l'huile de coco tout simplement, puis facile à faire. Bon, ici aussi, il fait chaud la vie, hein, vous voyez que je suis en sueur. Donc, Colofab me dit qu'il fait 40 degrés en France. oui, on est en canicule, donc c'est horrible, ma belle Chantal, nous autres aussi. Vraiment, il fait chaud, je colorie pas beaucoup, mais quand même, mais pas beaucoup parce que j'ai moins de temps. Donc, pour l'application du produit ici, donc là, c'est le fun, hein? Il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir voir le direct en replay parce qu'on sera vraiment pas beaucoup. J'avais pas le goût de publier, j'avais le goût d'être avec vous là, tout de suite et maintenant. Donc, les produits à utiliser, bon, évidemment, toujours mettre un papier en dessous. Vous voyez que quand on étire le produit, ça trace. Donc, ne pas faire ça directement sur vos pages de coloriage. Toujours mettre un protecteur en dessous. On peut utiliser les pinceaux poils de porc à poils rigides, mais ce n'est pas l'idéal. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les petits embouts mousse comme ceci et lui. Donc, lui, là, pour appliquer sur les encres Distress et les autres encres, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il trace, mais par contre, pour ce produit-là, ça va bien l'amour. Voilà. Moi, là, je vous invite à utiliser les petits blenders pour maquillage également. L'éponge est assez rigide, ça doit aller bien pour appliquer le produit. Tout ça, c'est lavable, évidemment. Moi, j'ai utilisé... qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ici, il y avait du noir là-dessus, les amis. C'est quand j'ai fait celui-ci, tout a parti, évidemment. Hein? Tout a parti, donc je suis super contente. Alors là, si vous avez des questions à me poser par rapport à la recette, gênez-vous pas. On est là pour ça aujourd'hui. Bon, le crayon pèse 6 grammes parce qu'il y a des crayons qui sont plus gros, donc une question super importante que je n'avais pas pensé. Si on veut faire nos mélanges également, qu'on veut mettre plusieurs couleurs ensemble, parce qu'évidemment, je veux vous montrer, donc écrivez-moi vos questions et je vais revenir si, pour répondre à vos questions, évidemment. Les couleurs pâles ici, bien, sur le blanc, je vais juste passer tout ça. Sur le blanc, ça ne paraît pas. Hein? Amande extra pâle, c'est celui-ci. Ça ne paraît pas. Ici, c'est le rose moyen pâle. C'est celui-ci. Donc, vous voyez que la couleur est très forte dans le contenant et ici, c'est très pâle. Bon. Colofab me demande où j'ai trouvé mes contenants. Donc, moi, les contenants, c'est des contenants que j'ai trouvés dans un magasin Dollarama ou $1 ou plus. C'est des contenants qui sont empilables. Les carrés, il n'y en a plus parce que les autres, ça date de 2 ans. J'ai mis un petit tape qui colle sur les deux faces et une aimant. Donc, j'ai pu, en ce moment-là, réutiliser mes petits contenants de crayons de couleur, hein, qu'on reçoit nos crayons de couleur, et ça colle, donc ça ne bouge pas du tout simplement. Donc ça, j'aime beaucoup le principe, mais ça nous prend des contenants qui sont quand même assez grands pour aller chercher facilement le produit. Ici, les petits contenants d'aquarelle, c'est pas l'idéal parce que c'est trop petit, je trouve, pour aller chercher le pigment. Voilà. Je me replace sur ma chaise. J'ai une fesse à moitié en bord de la chaise. Pas super, c'est pas super. Pour continuer mes recettes, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors, voilà. J'ai une mallette comme ceci, transparente, qui vient du Dollarama, qui coûte 4 $. Et à l'intérieur, c'est des petits ronds empilables. Comme ceci, tout simplement. Je vais vous le mettre ici.
Voilà, ça va être plus facile à voir. Donc, des boîtes empilées. 1,50. Ils ont 3,8 cm par 2 cm. Donc, pour ce type de contenant-là, ça prend 2 crayons, donc 12 g de crayons pour remplir le contenant. Bonne chose parce que le produit est tellement intéressant que je n'ai pas le goût de faire ma recette trop souvent. Donc, voilà. Le produit est cireux, donc il n'y a rien qui tombe, évidemment. C'est vraiment très rigide. Évidemment, ne pas maintenir le produit comme les crayons de couleur hein, dans des pièces chaudes. C'est pas obligé d'être réfrigéré, mais je veux dire, comme, tu sais, mettez pas ça devant une fenêtre au soleil, mettons. Donc, voilà pour les contenants. Caro Colo dit « Coucou! » Oh, je suis super contente que tu nous aies attrapés. Zazou est là, les amis. Coucou, Zazou! Je suis super contente de te voir parmi nous en direct. Je n'ai pas annoncé mon direct. Je voulais le faire sur, comme on dirait en bon québécois, juste sur une... C'est une gosse. Voilà. Donc, très simplement, hein. Je veux vous montrer le produit ici. Donc là, j'ai utilisé ma petite éponge, j'ai pris le produit, hop, et j'ai étendu en rond et j'ai arrêté. Donc, je n'ai pas retouché, je n'ai pas pris mon petit mouchoir pour enlever l'excédent de produit. Et vous voyez que l'autre côté, il y a des dépôts d'huile, mais léger ici, il n'y en a pas. Donc, c'est ça, ma recette n'est pas tout à fait calibrée. J'ai des pots qui ont un petit peu plus d'huile de coco, d'autres qui en ont un peu moins. Donc, voilà ce que ça donne. Mais évidemment, je vous invite toujours à aller frotter votre coloriage comme ici. Il est appliqué. Donc, je prends mon petit Kleenex et je frotte tout simplement pour enlever l'excédent. Et ensuite, ça va super bien. Et quand on a terminé notre colo, on fixe tout simplement. Moi, je fixe toujours tous mes coloriages de toute façon. Là, j'espère que ma bouche fonctionne avec le son. Parce que souvent, quand je fais mon montage, je m'aperçois qu'il y a un lag entre le micro. C'est compliqué, c'est parce que j'ai deux caméras, puis en tout cas, c'est compliqué. Donc, je vais devoir reprendre le direct et refaire le montage pour que ma bouche fonctionne avec ma voix. Ça me gosse quand ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, Nathalie est là. Coucou, ma belle Nathalie. Je suis super contente de te voir, ma chère. Mélissa Colo est là. Coucou, Mélissa! Écoutez, je suis toute énervée que vous soyez toutes là. C'est le fun, je me suis ennuyée de vous autres. Donc, fatiguée, je vais souvent au chalet la fin de semaine. Donc, lave le chalet, reviens à la maison. Une journée fatiguée, on repart. Fait que finalement, c'est ça, je travaille fort aussi dans l'été. Donc, j'ai moins le temps de tourner des vidéos. Vous avez aimé beaucoup la vidéo « 7 erreurs à éviter en coloriage pour adultes ». Je suis super contente. J'avais peur un peu de la réception de cette vidéo-là, mais évidemment, c'est mon opinion. Puis, vous êtes là pour écouter mes idées, mes opinions, donc je suis super contente. Bonne nouvelle, j'ai trouvé le coloriage. Je vais refaire avec Zazou un colo en duo. Donc, on a choisi l'illustration. Il reste juste à la faire imprimer. Donc, super bonne nouvelle, je vais pouvoir faire un autre colo avec ma copine Zazou d'amour. Je suis super contente. À part ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai presque fini mon ours en boule de gomme. Puis en passant, je suis allée au Walmart hier, Zazou, puis j'ai pensé à toi pour acheter mes petites boîtes de Crayola. Effectivement, le Walmart a du Lulu maillot. Ils ont le livre chien et le livre ours. Donc, au Walmart, au prix de 6,95 $, je pense. Fait que j'étais toute excitée de voir ça, super contente. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au Walmart. Moi, depuis qu'ils ont changé les caisses et qu'ils ont mis des caisses self-service, donc à scanner toi-même, moi, quand je partais du Walmart avec une épicerie, ça me coûtait 350 $, là. La madame, elle n'a pas le goût de passer 350 $ de produits soi-même avec la caisse à main. Non, non. Non. Donc là, c'est pour ça que j'y allais plus.
Ah, Colofab me dit, tu fais quoi comme travail? Ben malheureusement, c'est de la cuisine. Donc, je cuisine des recettes à la maison. Donc, c'est ce que je fais. Question de santé pour vraiment éliminer les produits, dans le fond, qui sont allergènes dans les produits. Faut que je dois cuisiner beaucoup. Et comme c'est l'été, ben là, on a les produits frais et tout ça. Donc, moi, c'est beaucoup. Zazou me dit, moi aussi, quand je parle, ma voix fit pas avec ma bouche. Ah! Puis ça, là, c'est un désastre, écoutez ça. J'haïs ça. Je dois reprendre tous les vidéos, même les directs maintenant, et les repasser dans mon logiciel. J'extrais ma voix et j'ajuste ma voix avec mes lèvres quand elles bougent. Une horreur, c'est compliqué. Donc, c'est le fun d'avoir un système, deux caméras, tout ça, mais ça apporte un lot d'inconvénients. Ah oui, petite chose que je voulais vous montrer. Pas mes bras poilus, évidemment. Sur le noir, qu'est-ce que donne la recette sur le noir? Ben voilà, les amis. Ça donne rien. Donc, moi, je pensais que les couleurs pâles feraient un effet extraordinaire, un peu comme l'aquarelle nacrée. Ben non, ça donne rien. Les pâles, c'est vraiment plate et je n'ai même pas essuyé les couleurs. Bon, évidemment, je n'ai pas beaucoup de couleurs, hein. C'est des couleurs peau, donc c'est pas super pour faire plein de tests, mais ceux-ci ont vraiment des jolies petites couleurs pâles, donc j'espère que ça va être plus intéressant. Peut-être que ça va apparaître sur le noir, je ne sais pas. Donc voilà, je travaille sur mon petit livre Yeti. Donc voilà. Sur ma petite coquine ici que je suis en train de faire le test avec des crayons polychromos. Donc super intéressant. Franchement, là, ça colorie bien. Ça colorie bien, c'est facile. Les crayons sont pas secs, sont crémeux, tout en gardant leur spécificité, comme les polychromos. Hein, c'est un travail de minutie, du couche sur couche, qu'on peut travailler presque à l'infini. Hein, ça va bien. Donc, même chose ici. Hein, vous voyez le gros travail. Je vous fais un petit zoom serré ici. Donc, voilà le gros travail de couche sur couche. Je peux reprendre mon petit crème ici et je vais retravailler mon crème et il apparaît. Il baisse, dans le fond, il va baisser la couleur. C'est super. Juste faire attention quand on a terminé, vous voyez, il y a des petits dépôts sur la mine. Donc, on essuie notre mine tout simplement. On prend notre petit pinceau et hop, on enlève l'excédent et ça va super bien. Donc, dans le fond, c'est ça que je voulais vous parler, les amis, aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la recette? Là, je suis désolée, je vais me replacer. Hop, voilà. Color Fila est là. Oh, coucou Color Fila, je suis super contente que tu m'attrapes dans mon direct. J'ai regardé ta vidéo en replay, évidemment, pour le direct. Je suis également allée voir ben, plusieurs de tes vidéos hein, cette semaine sur les Artic, donc les crayons qui sont les dupes supposément de Prismacolor Premier. Donc, j'étais tout intéressée à aller voir ta vidéo. Super intéressant. Et je suis allée voir également ben, d'autres vidéos de d'autres crayons que, bon, évidemment, les Nioni, j'étais super intéressée de voir tes commentaires parce que les 120 Nioni, ce sont pour moi mon coup de cœur d'amour. Bon, c'est ce que j'utilise à la place des polychromos parce que les polychromos, ça, je les trouve difficiles. Je tripe pas tant, on va dire, voilà. Je tripe pas tant. Puis les Nioni, bien, ils ont les avantages, je trouve, du polychromos, beaucoup moins cher, mais très intéressant à utiliser sur le papier. Donc, j'étais contente de voir que tu partageais mon opinion. Donc, voilà. N'oubliez pas que si vous voulez aller voir la vidéo ici sur le DIY que ma copine Color Fila n'a pas fini d'écouter, la petite coquinette. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Et dès lundi, hop, j'ai fait mon avis hein, sur. J'ai fait des tests. Je vous montre comment ce travail, cette recette-là, ce que ça donne comme effet, comme ça, vous allez pouvoir voir si ça vous intéresse ou pas d'essayer la recette.
Donc, voilà, je vais juste aller voir. Nathalie, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une période fatiguée en ce moment, donc c'est pour ça que je suis moins, hein, je fais moins de direct et tout ça. Par en même temps, il fait chaud la vie ici. Donc, je veux pas. Ben, mes appareils tombent en surchauffe, hein, évidemment. Vous savez ce que c'est, les téléphones cellulaires, quand il fait trop chaud, ça coupe. Ma copine Hélène est là, je suis super contente. Tu n'es pas tant en retard, ma belle. C'est un bébé direct. Donc, voilà. Ah, j'ai pas de questions. C'est donc bien drôle. Ah, Phila! Oui, ça va. Je les préfère sur du papier lisse. Si tu les prends, tu me diras, oui, les Nionis sont top, top. Bien, en fait, je les ai, les Nionis. Bon, là, ma copine color Phila, attention. Je vais être ridicule. Mais j'ai acheté la boîte de 72 Nionis. J'ai testé. Évidemment, je les adore, ma vie. Et j'ai racheté la boîte de 120. Ben oui! Pas fort, pas fort, mais qu'est-ce que tu veux? C'est moi. Les crayons aquarellables également, Nioni, je les possède et je les aime beaucoup également. C'est pas, ben, dans le fond, ben, j'ai les Albrecht Dürer qui sont Faber-Castell, mes favoris dans les crayons aquarellables, mais ensuite, c'est les Nioni. Et j'adore les, ben, c'est sûr, les Derwent Tinkten, c'est une catégorie à part. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Est-ce que je devrais les acheter? Évidemment, Derwent Tinkten, c'est un incontournable. Albrecht Dürer aussi, ça va vraiment bien. Mais Derwent Tinkten a vraiment des couleurs particulières. Une formule, c'est de l'encre aquarellable, donc c'est du jamais vu dans... Il n'y a pas d'autre gamme qui fait, que je connais à tout le moins, qui fait des crayons aquarellables à l'encre. Donc, ces gammes-là, évidemment, je vous les conseille de tout mon cœur. Derwent Drawing, d'ailleurs, je vous les conseille de tout mon cœur. Là, je suis en train de préparer une vidéo sur les crayons de couleur Prismacolor premier. Mes crayons favoris, évidemment. Pourquoi? Parce que ça... Comment dire? Un camion tout-terrain, ça va sur tous les terrains. Traction intégrale. J'adore ma vie. Même chose pour les Prismacolor premiers. C'est du tout-terrain, facile à utiliser, agréable, mais ça ne fait pas tout. On ne peut pas faire un effet poil avec ça, effrayant. On ne peut pas faire ce qu'on fait avec les polychromos, donc travailler du couche sur couche sur couche sur couche. Le Prismacolor premier va faire de la pâte, on devient saturé vite. Des fois, je rage. Faire une peau au Prismacolor premier, c'est non. Donc, voilà. Mais c'est ça, je vous prépare une vidéo avec des tests. Je veux voir l'effet avec quand on met le crayon de couleur au soleil. Est-ce qu'il pâlit au soleil? Après combien de temps qu'il pâlit? J'aimerais ça savoir. Je me pose plein de questions. Donc ça va être dans les prochaines vidéos que je vais tourner sur les crayons Prismacolor premier. Ça va être intéressant de voir. Ah oui, Mélissa Collot me dit « J'adore également les Artix. » Tu parles d'un nom, les Artix. Ils veulent nous faire bégayer, coudonc. Merci à Zazou pour cette découverte. Moi, je ne les ai pas achetés encore. Moi, là, c'est les Shaper Farben. Allez voir ma copine dans l'atelier de Marilyn. Elle a acheté la boîte de Shaper Farben 96 unités. Elle avait vu ça dans ma wishlist et elle a été intéressée de se les procurer. Donc, moi, c'est les prochains que j'aimerais m'acheter Shaper Farben. Zazou, tu les as, je pense. Dis-moi si tu les as, les Shaper Farben. J'espère que je les prononce comme il faut. Ils m'intéressent. Dans l'atelier de Marilyn, elle a fait des tests sur ces crayons-là. Elle les aime beaucoup. J'ai également l'œil sur les Posca, crayons de couleur Posca, qui viennent d'arriver sur Amazon.ca. 36 couleurs, 96 $. Bon, dans l'atelier de Marilyn, les adore. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'œil sur ces crayons-là. OK. Zazou nous dit, je travaille couche sur couche avec les Prisma. Oui, mais moi, je me tanne à un moment donné avec les Prisma. J'ai moins le contrôle. Je fais un effet boîte, puis bon, j'ai un peu de misère. Colofab,
Bisous Simone, il me tarde de voir ta vidéo sur les prismacolores. Écoutez, elle n'est pas faite, mais le canevas, j'ai comme 16 points que je veux tester. Je veux leur faire faire. Vous savez que moi, les labos de recherche, j'aime ça, travailler et rechercher, voir jusqu'où on peut aller avec le matériel. Là, j'ai une drôle d'idée en tête. Là, je veux tester aussi de l'aquarelle, mais d'une façon différente. Donc, voilà, plein de... Puis, il y a plein de copines qui m'envoient des liens de vidéos sur Instagram, des vidéos super intéressantes. Donc, je remercie ma copine Sylvie Gervais qui m'a envoyé une vidéo sur 35 façons d'utiliser les pochoirs. J'ai plein de pochoirs. Je veux tenter de les intégrer également dans mes coloriages. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça s'en vient. Bon, Zazou. Ah oui, Mirkiza Souroudakis. On dirait que je fais une chanson quand je nomme son pseudo. Je suis super contente de te voir. Elle me dit coucou, bonjour tout le monde. Zazou me dit j'ai les shapers. Oui, ils sont top et bien pigmentés. Par contre, ils sont petits. OK, donc le diamètre du crayon est petit. C'est ce que je trouve plate des chromaflots. Pourquoi ne pas avoir fait le 16 des drawings? Évidemment, il aurait été plus cher un peu, mais j'ai testé les chromaflots versus les Color Soft de Derwent. Ah, les chromaflots, pour moi, dans ma façon de colorier, ils arrivent en haut des Color Soft que j'adorais. Effectivement, c'est long, le couche sur couche au prisma. Ah, Chantal Desormeaux nous dit, moi j'ai les Shaper Farben 96 et ils sont super. Oh, j'ai le goût, là, ça puis les Posca. Zazou, as-tu les crayons de couleur Posca, Fila? Est-ce que tu les as aussi? Moi, ils m'intéressent. Bon, disons que je peux avec les gras, mais il faut les tailler fins. Je trouve que c'est dommage de tailler pointu des crayons gras. Ah ouais, c'est pour ça qu'elles prennent les polychromos en général ou autres pour les poils. Ben là, en ayant visionné les vidéos de ma copine Phila, ben les dernières vidéos, là, moi je suis un peu en retard dans toutes mes vidéos de toute façon, ma copine Phila n'aiguise pas souvent ses crayons de couleur comme moi. Moi, techniquement, je ne les aiguise pas. Sauf quand ils sont rendus, ça là, moi j'aiguise pas ça là, je sais pas si on voit, on va voir par là, petite coquine. Moi j'affile pas ça là, j'ai encore la moitié de ça à utiliser avant d'affiler. Donc c'est ça, c'est rare que j'affile mes crayons, mes effets poils, moi je tourne mes crayons en coloriant, j'adore, coup de cœur, les Neoni je les adore, mais les Kohinoor, polycolore, oh. Lamine rigide, c'est plaisant à utiliser, les effets peau, j'ai fait mon dernier colo effet peau avec le duo avec Zazou, oh, j'ai eu du plaisir à utiliser mes Kohinoor polycolores, ça c'est vraiment des petites mines d'or pour moi, mais évidemment, n'oubliez pas que nous avons chacun notre façon de colorier, chacun notre griffe, chacun notre façon de faire les dégradés. Donc, il y a des crayons pour tout le monde, pour tous les goûts, évidemment. Il y a des gens qui peuvent détester les prismacolores, puis moi, je n'irai pas chialer là-dessus. Je peux comprendre, nous avons chacun notre griffe. Phila nous a parlé lors de son dernier direct, vous pourrez aller voir, à moins qu'on en ait fait un autre, puis je n'ai pas vu. Les Holbein. Bon, là... On ramasse la bave qui coule sur le bord de la bouche parce qu'elle m'a donné le goût des Holbein de fou. Voilà, elle nous en a parlé, elle nous a montré la description, ben pas la description, mais comment ils se travaillent. Ça m'a mis l'eau à la bouche, évidemment. Super intéressant. Zazou nous dit, les chromaflots, j'ai trop hâte que les 72 arrivent. Oui! Ils ne sont pas arrivés sur Amazon.ca. Malheureusement, moi aussi, j'ai hâte. Là, je vais le dire, j'ai hâte. Zazou, alors, oui, j'ai les Posca, mais je ne tripe pas trop. Ils saturent vite. Oh! Intéressant! Ouais, puis pour 36 couleurs, 96 $, j'aime mieux les Shaper Farben. Donc là, je suis contente de le savoir. Je vais me
C'est ça, je vais mettre mes ordres de priorité d'achat. Mélissa Colo, j'ai fait un super coup. Quoi? J'ai réussi à avoir les Chromaflow à 12$. Je trippe trop, mais effectivement, le diamètre est petit, mais je les adore. À 12$, t'es donc bien chanceuse. Phila me dit, merde, comme toi, je taille très, très peu mes crayons. Pareil, je les tourne. Écoutez, si vous êtes capable de faire ce truc-là, les amis, vous allez tellement moins user vos crayons. Moi, travailler avec une mine extra longue, bien, je ne suis pas habituée parce que les Prismacolor premiers, excusez, j'ai échappé quelque chose. Mes Prismacolor premiers, tu ne peux pas affiler ça fin. Tu vas les manger. Les manger, ça fond comme du beurre dans la poêle. C'est fou, là. Fait que moi, je me suis comme habituée avec les Prismacolor premiers. Ça a été ma première gamme artiste. Donc là, j'ai gardé cette habitude-là et voilà, hein, je n'affile pas. Très peu, je pense que mes Derwent Drawing, j'ai affilé deux fois un peu importe le crayon. Et je les utilise souvent, donc ça va vraiment bien. Ah là là! C'est quoi le truc des 96? Bien, les Shipper Farben, ils se vendent en boîte de 72 ou 96 crayons. Je pense que c'est ça qu'on voulait dire. Bon. Évidemment, pour ne pas faire la nouille comme j'ai fait avec les Nioni, acheter les 72 et racheter les 120, évidemment, bien, les Shipper Farben, je vais acheter la grosse boîte tout de suite. Hein? Ça va. Là, là, ça va me revenir moins cher. Là, je fais une petite annonce en direct avec vous et je vais mettre la vidéo en replay pour ajuster ma bouche avec ce que je dis. Pour ma vidéo sur les Prismacolor premiers, si vous avez le goût, faites-moi un coloriage avec les crayons Prismacolor premiers. Vous avez le droit d'utiliser du noir ou du blanc de n'importe quelle sorte de crayon, mais les crayons de couleur ne doivent être exclusivement que du Prismacolor premier. Envoyez-moi ça sur mon adresse courriel simone.color1@commercial.gmail.com et écrivez-moi dans l'objet Colo Prismacolor, tout simplement. Et je vais mettre votre coloriage dans la vidéo pour donner des exemples de ce que donnent les Prismacolor premiers. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai une griffe artistique très particulière. Puis j'aime ça voir tellement vos colos à vous, observer vos techniques. Ça me donne de l'inspiration pour faire des choses différentes. D'ailleurs, ma copine Astrid, quand elle a fait le Minotaur, elle a fait un style que je trouve comics, cartoon, bande dessinée. Bref, je ne peux pas le dire en d'autres langues. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Mais j'ai trouvé ça beau, reprendre les lignes du coloriage en noir, mais avec des lignes épaisses. Oh, j'ai trouvé ça beau. Dans le replay, je vais le mettre dans la vidéo. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans le coin là. Là, ouais. Je vais vous mettre le coloriage de ma copine Astrid parce que ça a été, ben oui, un gros coup de cœur de la série. Et d'ailleurs, pour les trios colo, beaucoup font les coloriages après la date et c'est ce que moi et Marilyn, on voulait. Je vais vous faire une vidéo avec les colos qui n'ont pas été présentés. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ma copine Chantal Roblotte, il y a deux de ses colos qu'elle a fait. C'est une omission involontaire, je m'excuse. Écoutez, j'écris le nom des gens, je mets des crochets en fluo, je compte le nombre de coloriages pour être sûre de ne pas faire d'erreur, mais malheureusement, il y a des petites erreurs qui se glissent. Zazou a fait également le Minotaur. Une belle version également, les amis. Moi, je suis fascinée et je préfère présenter vos colos que les miens parce que je trouve rien à dire ben sur mes coloriages. Mais par contre, quand c'est pas fait par nous, c'est comme une recette. C'est toujours meilleur quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, voilà. Si vous voulez m'envoyer votre
n'importe quel coloriage fait au Prismacolor. Vous pouvez faire une base de feutre alcool, une base de recette que nous avons vue ensemble sur le DIY, la base de couleurs au crayon de cire Crayola. Vous pouvez travailler sur une base d'aquarelle. Moi, ça ne me dérange pas tant que vous utilisez les Prismacolor premiers. Donc, je vais inclure vos coloriages dans la vidéo avec une brève description de professeur Simone. C'est le fun! Et là, j'ai vu également le trio colo sur Joanna Basford. Je ne l'ai pas le livre, je ne l'ai pas fait, mais les colos sont savoureux, délectables, magnifiques. Plus que je voyais les avancées des amis, plus que j'étais excitée que j'avais le goût de le faire, mais je n'ai pas le livre, donc il faut se calmer, les amis. Alors, je vais refaire une vidéo avec tous les colos qui ont été faits par après. Donc, la licorne, le chat, je vais inclure la dame aux cornes, des colos qu'on a fait colorier avec moi. On va faire un melting pot, donc un mélange de tous les colos dans une vidéo. Donc, je pense que ça va être intéressant. Plus t'en passer, Colin Fila, ma tentatrice de l'amour. Elle veut que j'aille chercher les Holbein. Donc là, je vais devoir ramasser mes sous, hein, parce que ça coûte une blinde. Mais les crayons qui coûtent cher, c'est pas pour rien. Moi, je suis quelqu'un qui est économique. J'aime utiliser des produits qui sont pas chers. Mais quand j'ai acheté les Luminances, les amis, c'est comme conduire une petite voiture de base qui coûte 10 000 $ puis d'essayer une Pagos ou une Mercedes, une BMW, peu importe, une voiture qui coûte un prix de fou. Il y a un plaisir qui va avec, là, les amis. Ça va faire un coloriage. On peut faire des colos équivalents, mais le plaisir d'utiliser des crayons de qualité. Moi, les Light Fast, les Luminances, pour moi, les Prismacolor premiers, les Polychromos utilisés d'une façon différente, je les aime bien. Il y a un plaisir coupable, il y a un plaisir enfantin. Gâtez-vous, les amis. Si vous n'allez pas au restaurant, vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez dire, ben moi, je me gâte et j'achète des produits de qualité. Ben oui! C'est sûr qu'on ne peut plus s'en passer. Les Luminances, il faut que je me batte pour ne pas prendre le rouge Luminance dans ma boule de gomme. Maïté Coloriage est là. Coucou Maïté! Les Shepherd Fairbairn, oui, c'est ça. Vous avez un lien, j'aimerais voir. Je ne connais pas du tout Color Fila. Je vais te mettre le lien des Shepherd Fairbairn en description de cette vidéo. Ils sont disponibles en France parce que dans l'atelier, Marlène les a achetés. Elle les a peut-être pris sur Vinted, par exemple. Je sais qu'elle achète beaucoup sur Vinted. Vous êtes chanceuses, les filles, en France. Nous, sur Vinted, il n'y a pas de choses de coloriage. Malheureusement, Daniel Théoret est là. Coucou, Daniel! Marie Ducroute est là. Oh, Marie, qui est une participante des trios colos, d'ailleurs. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Je viens de recevoir les Chromaflo 72 aujourd'hui. Oh, chanceuse! M'a offert ça, ma Simone, on a jusqu'à quand? Zazou, je t'aime. Je t'aime, t'es tellement gentille, je suis super contente. On a jusqu'à quand? On a jusqu'à quand? Là, ben si je te dirais fin juillet pour faire le coloriage avec les Prismacolor premiers. Hein? 30 juillet, 31, je ne sais pas la date que ça finit. Mais je pense que ça serait une bonne date parce que, ouais, ça serait une très bonne date. Donc, appel à tous jusqu'au 30 juillet pour faire le coloriage Prismacolor premier. Les amis, si vous participez au trio colo, envoyez-nous ça surtout par le mail, par le Gmail. C'est sûr qu'on a moins de chances de se tromper et de ne pas inclure vos vidéos. Oh, Véronique Manu est là. Coucou, Véro! Je suis super contente que tu sois là. Cassie Mackay est là. Ben, crème! Vous m'avez trouvé, même si je n'ai pas fait de publicité. Patou est là. Bonjour, Simone. Bonjour à tous. Heureuse de vous trouver sur ce live. On a jusqu'à quand pour le colo Prismacolor premier? Le 30 ou le 31 juillet. Là, je n'ai pas de calendrier, je ne peux pas jouer sur ma tablette parce que je fais du tournage avec elle. Fait que dans le fond, ouais, jusqu'à la fin juillet, puis je vais
l'inclure dans ma vidéo. Ben là, ma vidéo n'est même pas tournée. Les vacances s'en viennent. Voyez que puis là, je suis en sueur. Il fait chaud, la vie. Je vais devoir arrêter. Ah, Lamiana est là. Coucou, Lamiana! Je suis super contente d'aller voir la nouvelle chaîne YouTube de ma copine Lamiana. Quand démarrage de chaîne, des vidéos super intéressantes, des défis super intéressants également. Mélanie Chauvin, ah, fin juillet, c'est cool, moi qui colorie très lentement, ça me va. Je suis super contente. Écoutez, la boule de... Es-tu... je l'ai-tu pas loin? Ah, oui. Oui. Oui, les amis, je vais vous montrer mon boule de... je l'appelle boule de gomme, là. Dans A Million Bear de Lulu Mayo. Faut que je vous montre mon avancée, les amis. Et là, j'ai un problème. Tant qu'à être ensemble, on va s'en parler. Donc, voilà mon avancée. Je vais juste relever, hop, la caméra. Voilà! Bon, désolée pour les montagnes russes, ma copine Virgin Colo, si tu passes par là. Je pense à toi à chaque fois que je fais des montagnes russes. Donc voilà, j'ai un petit problème, les amis, ici. Vous voyez les points rouges? Non, vous ne les voyez pas, hein? Pardon. Bon, le rouge, j'utilise les luminances et les light fast. Pour avoir l'effet lisse, devinez ce que Simone a fait. Même avec le tortillon, j'y arrive pas, là. J'ai pris un crayon de couleur studio, pas cher, du Dollarama à 4 $ l'ensemble, rouge pour compléter et étirer les pigments pour que ça donne ça. Est-ce que vous y croyez, les amis? Sur du luminance et du light fast, je suis obligée de prendre des crayons pas chers pour donner l'effet lisse. Je comprends pas. Évidemment, ma copine Color Fila est la spécialiste des gammes de papier. Moi, je ne colorie pas avec... j'ai pas d'imprimante. Bon. Donc, les gammes de papier, dans les... dans le fond, dans les livres de coloriage. Oui, Zazou, il fait chaud. C'est il fait vraiment chaud ici. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment le papier des éditions. Et même le fond, je vais vous le remontrer ici, là. Ça, j'ai eu un plaisir fou à faire ce fond-là. Il y a plein de trous blancs, puis j'aime pas ça. Les Brutes Farneurs 50 pastels, je les ai utilisés. Vous voyez, mes nounours, ils n'ont pas de trous blancs. Mais sur les grandes surfaces, j'ai de la misère. Puis mon toaster avec des points blancs, j'aime pas ça. Mon grille-pain, désolé. Donc voilà, j'ai presque fini. Ah oui! Une chose que j'ai adorée de mon coloriage, l'ours polaire. J'ai mis du bleu ici, un bébé dégradé là, et j'ai gardé le blanc complètement. Ça, c'est ma copine Zazou qui m'a donné le goût de faire ça en faisant notre duo en coloriage. Garder les espaces blancs. Donc ça, c'est un truc que je veux faire dans un prochain coloriage, mettre de l'avant les zones blanches. Ici, même chose, zone blanche là, je trouve ça beau de voir l'effet picoté ici. J'aime ça, mais pas là. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis bizarre, mais je suis Simone. Voilà. Donc, il me reste juste à finir le gris-peint et mon colo est terminé. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Et je n'ai rien prévu pour l'instant à part le duo avec Zazou. Bon, là, je vous annonce en grande primeur, les amis, je ne tournerai aucune vidéo sur ce coloriage-là parce que je veux que Zazou ait la surprise. Donc, ça se peut que je tourne des vidéos, mais je ne les présente pas tant qu'elle n'a pas reçu le coloriage ou que tout soit terminé parce que je veux que Zazou ait une surprise incommensurable. Donc, une énormité, une grosse, comme moi, quand j'ai ouvert son coloriage. Écoutez, mes garçons étaient sur le moi aussi, la peau, écoutez, le clash de nos deux peaux, les yeux,
tout est beau. Puis là, Zazu m'a expliqué comment utiliser également la paillette un peu plus. De la paillette, on peut étendre ça avec un pinceau, les amis. Ben oui, ben oui. Donc là, moi, j'ai mal appliqué ma paillette, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon. Caroline est là. Donc, coucou, Caroline. Je suis super contente de te voir. Je ne sais pas si Seb est là. Donc, je te dis bonjour à Seb. Scrap Simone est là. Coucou, Scrap Simone. Bonne soirée à tous. Je suis super contente de te voir. C'est donc bien spécial, ça. Ah oui! OK, Hélène me dit Colorigine est là. Coucou, Colorigine! Attendez un instant. Hélène me dit, c'est donc bien beau, on dirait un rideau. Bon, ouais, ça c'est mon fond. Bon, mon inspiration, c'est un échec que j'ai fait dans le livre de... Quand on a fait le trio trio colo de la licorne, le cadre. J'ai voulu faire cet effet-là avec des crayons aquarellables. Ça se fait pas. Vous savez, les bureaux qui ont de la peinture et que c'est très délavé comme peinture, ça fait vieux, ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait couche sur couche de peinture. C'est ça que j'ai voulu donner comme effet. Donc ici, Derwent Drawing pour les coins et le fond. Et en dessous, mes crayons Brut Ferner Pastel que j'adore de ma vie. Ça va bien, des crayons intéressants, pas dispendieux, franchement, là. Je suis allée ligne par ligne. J'ai mon calepin. J'ai mon calepin, je vais pouvoir vous montrer ça, comment j'ai fait un peu. Ici, j'ai fait des lignes en dentissier vraiment avec de l'espace blanc au travers. Je suis venue remettre ma deuxième couleur, j'ai rajouté quelques lignes de bleu et je me suis amusée à remixer mes couleurs pour laisser des zones ici plus bleues, comme on voit. Donc, ça a été vraiment ma façon de faire. Et oui, j'aime beaucoup le résultat, je suis bien contente. Nathalie Pifot est là, coucou Nathalie! Mirkiza, il faut que je le dise au complet, j'aime ça. Je recommence. Mirkiza Souroudakis. Elle me dit, ici en Belgique, très chaud aussi. Et samedi, on annonce 34. Oh, écoutez, ça va être... Ouais. Moi, en fin de semaine, je vais être au chalet, donc je ne serai pas ici. Le chalet, il est complètement... il est en dessous des arbres, donc c'est quand même frais dans le chalet. Et bien, on a le lac, hein, fait qu'on va pouvoir se baigner s'il fait trop chaud. Et je sors les voiliers, le petit voilier en fin de semaine, le gros, je vais vous le mettre en photo dans le replay, là, dans le montage, je vais vous mettre la photo du petit voilier. Le gros est encore en réparation, donc voilà. Zazu, tu peux essayer le blender, ah oui, des luminances pour les petits picots. Oui, le blender, oui, j'avais pensé essayer le blender, mais finalement, j'ai pris un, c'est la gamme que j'ai au chalet, les studios du Dolorama. Je sais que Zazu, tu les as aussi. Moi, je les aime beaucoup. Puis le rouge est vraiment le même rouge que les luminances et les light face. C'est vraiment comparable. Un beau rouge dans cette collection-là. Colorigine me dit la bonne humeur de Simone. On aime ça. Oh, vous êtes fine! Mais il faut que je sois en forme. Hier, j'étais censée tourner une vidéo et j'étais trop fatiguée. Fait que là, j'ai dit non. Là, je commence ma journée, je fais ma vidéo et je ferai mes tâches après. Donc, voilà. Je suis super contente. Ah oui, puis Caroline Fashion Colo et Seb m'ont tagué pour la vidéo « Tes habitudes en coloriage ». Donc, je dois faire cette vidéo-là également. Zazu vient de voir les crayons sur la vidéo de Marilyn. Ah oui! Mais on ne dirait pas les Wit Art. C'est les Wit Art? C'est les Shepherd Farben. La boîte est blanche. Nanook! Coro, coucou les colocopines! Coucou Simone, on va? Ben moi, je vais super bien. Tout le monde est en nage. Il fait chaud. Voilà. Anne Decoeur.
Ton fond n'est pas commun, c'est cool. Ah, t'es gentil, j'ai réussi à le faire enfin. Camille Coloriage est là. Coucou Camille! Un petit coucou vite, je ne peux pas rester longtemps. Gros bisous Simone, t'es super gentille Camille d'être venue me voir. Camille d'ailleurs, tu dois avoir quasiment terminé ton Kirby Rosanne. Mythomorphia, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, écoutez les amis, ça va mettre fin au direct avant qu'un de mes appareils tombe en surchauffe. Super contente, hein? N'oubliez pas d'aller voir cette vidéo-là pour ceux qui ne la connaissent pas. DIY, hein, une recette pour faire une base de couleur avec les crayons de couleur à la cire, hein, tout simplement. Ça ici, les Crayola. Lundi, la vidéo ici, un petit 35 minutes d'amour avec Simone sur mon avis et comment utiliser les crayons et faire le test. Et évidemment, je vais m'amuser ma vie à refaire cette recette-là. Moi, là, créer de l'aquarelle, créer cette recette-là avec les crayons de cire, c'est le fun, c'est un pur bonheur. Évidemment, moi, j'ai fait du savon pour la peau. J'ai fait du savon à vaisselle, j'ai fait du savon pour le blanc dans la machine à laver. J'ai créé du maquillage, ça a été des flops totales, hein, du mascara. Si vous voulez le faire maison, ça coule. J'ai fait de l'antisudorifique maison, ça vient tout trempe. Bref, j'ai essayé plein de choses parce que j'adore ça. Donc, super contente de vous avoir retrouvé. N'oubliez pas de me faire un coloriage, n'importe lequel. Vous pouvez prendre des petits livres de coloriage. Ah, en passant, j'ai reçu plein de beaux cadeaux par la poste. Un gros merci à tout le monde. Je suis super contente des beaux livres de coloriage. Donc, jusqu'au 31 ou 30 juillet pour faire votre coloriage avec les crayons Prismacolor Premier. Donc, je vous dis bon colo à tous et à tous, gardez le sourire, il fait beau, il fait chaud, mais l'hiver s'en vient. Je sais que Zazu adore l'hiver, moi aussi j'aime ça l'hiver. Moi, je suis contente de vivre ici au Québec parce qu'on vit toutes les saisons. Il y a du beau dans toutes les saisons, sauf la slotch. Quand les rues sont pleines de slotch, moi là, ce bout-là, je l'éliminerai, je ne l'aime pas. Donc, je vous dis bye bye et on se revoit dans une prochaine vidéo.